voici Eric Salva. Bonsoir, vous allez bien? Oui! Et bonsoir à vous, bienvenue à la maison, à Dieu merci. Dieu merci, où l'on ouvre la porte à n'importe qui, sauf aux témoins de Jéhovah. Et ce soir, vous ne me croirez pas, on a un politicien sur le show. C'est pas rien, hein? Bon, là, vous allez me dire que c'est pas la première fois qu'on va voir un politicien dire des niaiseries. Mais c'est la première fois qu'on va voir un politicien dire des niaiseries avec une perruque sur la tête. Hein? Avez-vous hâte? Oui! Bon, alors écoutez, sans plus tarder, on accueille tout de suite nos invités de ce soir pour venir s'amuser avec nous. Mario Dumont, Jean-François Barry, Jocelyne Cazin et Peter McLeod! Public en délire, ils sont exceptionnels. C'est tout. Alors, comment allez-vous? Bien. Hey, moi, là, vraiment, au moment où on se parle, je suis extrêmement surpris de voir quelqu'un ici ce soir. Mais Peter, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis heureux d'être ici, là. Je suis passé en avant de TVA. À un moment donné, on fait, hey, il en manque un. Ah oui, ils t'ont dit, bon, ben OK. Viens-t'en. Ils t'ont passé une chemise. Exactement. C'était la maquilleuse. Oui, oui, mais sincèrement, vous êtes aussi surpris que moi de voir ce soir Mario Dumont, quand même, ici à l'émission. Politicien. Comment ça se passe, Mario, en dedans? Est-ce que tu es full stressé? À date, ça va très bien. Oui? À date, ça va très bien. Un peu fou, mais j'avais pas le choix. Qu'est-ce qui fait que tu n'avais pas le choix? Quand les enfants ont su que j'étais invité à ça, j'étais condamné. Ah oui? J'étais condamné, aussi fou que ça puisse paraître, j'étais condamné. Ça nous ramène à notre seuil d'humilité de base, quand même. Oui. Et ça va nous changer de l'Assemblée nationale. Là, on n'a jamais l'air niaiseux. Ben non, jamais, jamais, jamais. J'ai entendu en coulisses une conversation entre Peter puis Mario. Si le spectacle de Peter ne marche pas, il devient l'agent de Mario. Ah oui? Et vice-versa. Oui. Alors, mais avant d'aller plus loin, Jocelyne, aussi quand même, Jocelyne Cazin, qui n'est pas une comédienne, pas humoriste, qu'est-ce que ça te fait ce soir de jouer avec trois humoristes? Ben... Deux humoristes et un clown. Oui. Oh! Jean-François! Le clown, il est là. Ah, OK. Non, mais tu me poses la question, surtout avec trois beaux bonhommes, quand même. Oui, merci. C'est vrai. Ouais, merci. Puis un quatrième, là. Oui, bien, mon Dieu, il est à temps que tu le dises. Mais Jocelyne, la question qu'on se pose, depuis quand tu es drôle, toi? C'est-tu arrivé soudainement dans ta vie? Parce qu'aux dernières nouvelles, tu n'étais pas drôle. Disons que dans ma vie, moi, je suis une tripative. Comme dirait Jacques Languérand. Alors que Jean-François est un trip à trois. Oui. Plus, oui. Toi, à quatre, à cinq. Oui. Mais toi, une tripative. Oui, j'aime m'amuser, j'aime le plaisir, j'aime rire, beaucoup rire. Et mes amis le savent. D'ailleurs, on a eu du fun ensemble déjà sur un terrain de golf, non? Ah, sur un terrain de golf, you. J'ai eu peur que tu ailles plus loin. Non, non, je révélerai pas tout. Non, non, dis pas tout. Ouais. Alors, Jean-François et Peter, c'est votre deuxième visite ici. Ouais. Ouais. Est-ce que c'est aussi stressant que la première fois où on est plus rassuré, on arrive d'un pas assuré? Mais c'est un peu plus stressant parce qu'on, pour le sketch de groupe, on n'est pas sûr des deux autres. Bon, là, je fais un tour de table rapide sur l'issue de la soirée. Jocelyne, qui tu penses va gagner ce soir? Je trouve, ben, parce qu'on a fait des petites répétitions tout à l'heure du réchauffement, et je dois dire que Jean-François a beaucoup de talent. Mario, selon toi, le gagnant? Je suis d'accord, quand ça compte pas, là, comme tantôt, oui. Il est vraiment bon. Oh! Oui!
On a reconnu le politicien. Oh oui, moi, je mets mon vote sur Mario Dumont. Ben moi, il vient de perdre le mien. Ben... Jean-François, selon moi, toi? Je dirais Mario Dumont minoritaire. Ben, juste un bout du trophée. Peter? Ben, j'ai trouvé que Jean-François était vraiment... Ben, tu vois qu'il était habitué, il y a beaucoup de réparties, mais Mario peut nous surprendre. Pour le trophée, ce soir, c'est ça? Absolument. C'est le fou, j'ai pas rien à question. Oh. Ben oui. Alors, vous êtes prêts à commencer? Oui. Moi, j'ai déjà le costume. Alors... Ah! Tu joues de Paparman! Nous sommes rendus à l'étape de vous envoyer en coulisses pour revêtir vos costumes. Puis on vous souhaite une très belle soirée avec nous autres. Yes. Je sens qu'on va s'amuser, nos invités, ce soir. C'est un peu comme le président de l'Assemblée nationale. Il dit pas grand-chose, mais quand il parle, on l'écoute. Notre juge, Gaston Lepage! Alors, Gaston, c'est une soirée de Dieu merci particulière. Tu dis quoi de ça? Moi, tu vois, cette expérience-là qu'on va vivre ce soir, là, moi, je l'espérais depuis longtemps. J'espérais que quelqu'un enfin se mouille, parce que je pense que c'est un jeu qui est fait pour pas mal de monde. En tout cas, moi, je dis qu'on culmine ce soir. Oh, mon Dieu, que c'est bien dit, Gaston! Merci, Gaston! Notre premier invité est le chef de l'opposition officielle au Québec, mais quand il a accepté de venir à l'émission, personne s'est opposé. Voici Mario Dumont! Merci de m'avoir invité. Hein? Oh, ça me fait tellement plaisir. Mais Mario, je vois déjà que ça s'est mal passé. Il y a comme un œil au beurre noir présentement. Mais je ne sais pas encore comment ça s'est passé. Est-ce que dans ta vie, tu as déjà eu un œil au beurre noir comme ça? Un œil au beurre noir, oui. Une porte de tracteur d'en face. Oui. Et je l'ai traîné à l'Assemblée nationale, mon œil au beurre noir, d'ailleurs. Pour vrai? Oh, oui, absolument. Ah, je me souviens pas de ça. Faut maquiller ça un petit peu. Là. Ah, vous vous maquillez avant d'aller siéger? Ben là, quand on a un œil au beurre noir, on essaie d'arranger ça un peu. Alors, Mario, ils sont ici dans la salle ce soir, là, les gens qui t'ont poussé, qui t'ont incité, obligé même à venir ici à Dieu merci. On parle de ton épouse, tes enfants qui sont là. J'aimerais qu'on les salue. Bonsoir. Alors, Charles, toi, tu tripes sur Dieu merci. T'es-tu content de voir ton père ici? Est-ce que là, déjà, il a l'air fou? Il a dit non. Il a dit non. Moi, je trouve, en tout cas, que t'as beaucoup de courage, Mario. Et j'ai hâte de voir... Je trouve que j'ai beaucoup de folie. Oui, de folie. J'ai hâte de voir ce que ça va donner dans le sketch. Je suis vraiment content que tu sois venu. Et je te souhaite bonne chance. On est avec toi. Merci, les autres. Ça va se passer ici. C'est parti, Mario, quand tu veux. Bon, Dieu, merci. T'es venu là, finalement. Veux-tu bien me dire qu'est-ce que tu faisais? Je pense que j'aurais dû rester d'un poids léger. Bon, ben, j'espère que tu es en forme un matin. Parce que c'est aujourd'hui que Jean-François Chartrand vient te rencontrer. Hein? C'est le plus important journaliste de boxe à Montréal. Es-tu prêt à y en mettre plein la vue? Ouais. OK. Super champion. Monsieur Chartrand, je vous présente un de nos futurs champions, Stéphane Cadorette, le boxeur. Point! Il est vite. Stéphane, il paraît que tu es aussi habile avec tes points qu'avec les mots. Comment un boxeur comme toi développe une passion pour la poésie comme ça? Bien, ça a commencé le lendemain que j'avais mangé une volée, comme hier. Là. J'avais changé de catégorie. Là. Et puis, j'essayais de parler, puis ça sortait comme pas, ça sortait croche les mots, tu sais. J'essayais juste de demander à manger. OK. Puis l'infirmière, ben elle a écrit ce qu'elle entendait, puis ça a fait un poème. Ah ouais. Mais genre, ça avait l'air de quoi, là? Donne-moi un exemple, donc je veux manger, ça sortait comment? Ça sentait comme « Hey, hey! » Avec elle écrit « J'aime ma femme. » Ah ouais, ouais. Mais c'est rien, ça! Hey, mon Steph, m'on dit ce que tu sais faire à la corde à danser. Oh ouais, vas-y, le poète! Ah, c'est ça, la corde à danser comme ça, parce que
J'ai mal à un pied, c'est ainsi. Ah. Alors, la façon originale de sauter à corde, c'est Chartrand. Ouais. C'est Chartrand. Vous n'avez pas idée à quel point il est en forme, notre poète. Hey, mon dit comment tu t'es amélioré au ballon. Hein? Hey. Il faudra que tu y négocies, pas qu'il écrive ça, là. Ouais, le petit... Pas de problème. Stéphane, j'aimerais ça revenir à la poésie. Dernièrement, tu as fait une métaphore assez surprenante sur la boxe. J'aimerais ça l'entendre. Ah oui. La boxe, c'est comme l'amour. Frappe et tu recevras. Moi... J'ai reçu. Ça explique l'œil, OK? Tu Chartrand, vous savez déjà que notre champion, il a tout un jab puis un uppercut dévastateur. Ouais, ouais. Mais créatif comme il est, il a inventé un nouveau coup. Hey, dis-y comment t'as appelé ça. Le nouveau coup, ben, l'uppercut est connu. Ouais, ouais, c'est le coup par en dessous. Alors moi, j'ai inventé l'overcut. Parfait. Hey, écoute, Stéphane, on est à une semaine de ton combat contre Daniel la guillotine Pelletier, que je vais d'ailleurs rencontrer tout à l'heure. Qu'est-ce que tu penses de ton adversaire? D'abord, il est pas gros. Ouais. Deuxièmement, il est pas entraîné. Mm-hmm. Troisièmement, il sait pas sauter à corde de danser. Quatrièmement, ses cheveux sont ridicules. Ouais. Fait qu'il va manger toute une! Ouais. On pourrait dire que vous avez plusieurs points en commun. Mais dis-moi... Hey, c'est pas ton opinion qu'on veut, là. Fais-le ton papier. Oui, oui, non, c'est bien ça. La guillotine s'en vient. Elle tenait à te dire une dernière chose avant le combat. Vite, prends ta motion. Intimidante. La semaine prochaine, le poète va te faire avaler tes paroles. Mais en attendant, explique donc aux journalistes pourquoi t'as perdu tous les combats contre les hommes de ta catégorie. Parce que les hommes de ma catégorie, là, ils avaient mis les arbitres de leur bord. Puis moi, ben, je sais que tu n'écriras pas ça, là. Non. Mon gérant, c'est un pourri, achète pas les arbitres, là, j'en cherche un. Un vrai. Impressionné, Mario. Rocky Dumont. Ah ouais? Hey, c'est... Comment tu te sens? Je me sens vraiment chanceux. Oui? Que la corde est accrochée dans quelque chose que j'avais. Et quand elle s'est accrochée, je me suis dit, mon sauveur. Ouais! En fait, sais-tu quoi? Je te donne confidence. Peut-être que je sais sauter à corde encore. Ça fait comme 24 années que j'ai pas essayé. Ben mais on... là. Attends une minute. Non. Tassez-vous. Un instant. Non. On va voir. Hey! T'es en forme? Alors, hey Mario, vraiment, je sais que tu nous en as mis plein la vue au public qui est là. Gaston Lepage va nous dire ce qu'il en a pensé. Gaston, impressionné? Ah oui, beaucoup. En fait, je m'attendais pas à moins, par exemple. Dans le fond, c'est presque le même métier. C'est le... Non, mais c'est... Attends, je m'explique. Dieu merci. Ouais. Non, mais je veux dire, ça se ressemble un peu parce que t'as à trouver des réponses, t'as à poser des questions et c'est la... ça se ressemble à ce point de vue-là. Et à chaque fois, il faut que ce soit percutant. Alors, écoute, je te lève mon chapeau. Bravo pour ton courage, première chose. Et bravo pour tout le reste. Mesdames et messieurs, réussi de Mario Dumont. On est vraiment fiers de toi, Mario. Et c'est pas terminé, hein? Et vous autres, ne bougez pas. Il y a d'autres sketchs qui s'en viennent. Et si vous bougez de votre fauteuil, je vous envoie Mario Dumont. Mon assassin a les ongles d'orteil excessivement longs.
Et quand on lui cogne sur le genou, il vous tranche la gorge. Dieu merci. Dieu merci. Notre prochaine invitée a longtemps fait partie d'un trio. Et non, ce n'est pas un gros Pepsi. Mais... On l'essayait. Mesdames et messieurs, Jean-François Barry! Ah! Jean-François, tu me fais peur. Moi aussi! Est-ce que tu as déjà porté ce genre-là dans ta vie, quand tu étais un adolescent rebelle? D'après toi, Eric. Je sais pas. Le plus rebelle que j'ai été, là, j'avais porté une camisole, je pense. C'est tellement loin de moi, ce genre de truc-là. Là. Bon, Jean-François, j'aimerais qu'on parle de ton personnage. Il n'est pas clair pour moi. Tu penses quoi de ce costume-là? Je ne sais pas, parce que je ne veux pas me faire d'idée. Mais en même temps, j'ai vraiment peur, parce que c'est un univers que je connais pas. Du tout. Le show rock là, le plus heavy que j'ai vu, c'est James Blunt. Là. Ça te donne une idée. Je suis vierge là-dedans, Eric. Fait que, okay, fait que ouais, ça m'effraie un petit peu. Bon, Jean-François, oui. On t'encourage. Jean-François Barry. Touche mes mains comme sont froides. C'est vrai. Hein? Ça va dans le chance. Personnage. Ça se passe ici, Jean-François. Bonne chance. Dieu merci, t'es là. On commençait à penser que tu viendrais pas. J'ai été retardé. T'étais pas en retard parce que t'avais à te débarrasser d'un cadavre, toujours? Non, viens t'installer. On est sur le point de commencer l'entrevue. Alors, bonjour. Bienvenue à l'émission La Boîte Noire, une émission de cinéma pour les films qui ont du mordant. Notre premier invité, on le surnomme le prince du sang du cinéma. Il a réalisé certains des films les plus crus, mais aussi les plus inventifs de l'histoire du 7e art, Samuel Redford. Merci de te joindre à nous. Ça fait plaisir. Samuel, tu as réalisé un nouveau film, mais avant d'en parler, on aimerait ça remonter un peu dans le temps. Oui. On a lu quelque part que tu avais écrit à la petite école une version horreur de Blanche-Neige et les Sept Nains. Comment on réussit à faire une version d'horreur de Blanche-Neige? Ben, en fait, vous savez, dans Blanche-Neige, Blanche-Neige prend une pomme empoisonnée. Oui. Ben, elle tombe dans un profond sommeil. Oui. Et là, elle est couchée dans un lit. Hein? Elle est couchée dans un lit au pied d'un arbre. Mais dans ma version à moi, le prince n'arrive pas. L'arbre tombe dessus, puis elle finit là. Je me souviens. La comédienne est morte! Samuel, c'est pas étonnant de constater que tu es devenu réalisateur de long métrage assez rapidement. Tu réalises Fragments d'os. Oui. D'ailleurs, on voit l'affiche juste ici. Magnifique affiche de Fragments d'os. Le film est reçu comme un film avant-gardiste. Pourquoi, selon toi? En fait, c'est que c'est la première fois dans ce film qu'on laissait dessécher le comédien qui jouait. C'est un film qui a duré 12 ans. Oui, 12 ans à avoir une caméra sur le... l'individu qui est devenu le cadavre. En fait, moi, j'appelle ça la première télé-réalité. Parlons maintenant de ton nouveau film. Hein? On voit justement l'affiche. Autopsie, c'est l'histoire d'un schizophrène qui travaille dans un hôpital et qui kidnappe les patients pour procéder à une autopsie sur eux alors qu'ils sont encore vivants. Mais point intéressant, tu as qualifié ton film de comédie romantique. Alors, en quoi c'est drôle et romantique, le film Autopsie? En fait, ce qui me plaît à moi, c'est que la personne que l'on voit sur l'image, c'est quelqu'un que j'ai réussi à adopter avec vision mondiale. Ce qui est assurément drôle, Samuel, c'est l'objet avec lequel le schizophrène, dans l'autopsie, assassine ses victimes. Oh, oui. Ce fameux objet-là. Parle-nous-en. Je me suis servi du marteau à réflexe.
Le fameux marteau là, qu'on cogne sur le genou. Oui. Et mon assassin a les ongles d'orteil excessivement longs. Et quand on lui cogne sur le genou, il vous tranche la gorge! C'est très comique. Ça me fait rire! Et il y a votre amoureuse qui joue le rôle principal dans le film. Qui jouait. Qui jouait. Des affaires qui n'ont pas de bon sens. Mais en même temps, c'était le personnage, tu sais. Fait que je regardais les madames dans la première rangée, là. Je sortirais pas avec leur fille. Je garde des enfants, si jamais il y en a qui s'intéressent. Oui, ça m'inquiéterait. Écoute, on va aller voir Gaston Lepage. Voir si t'as suivi dans ton genre. Dans ma folie. Dans ta folie. Ah, t'as dit des affaires épouvantables. Je le sais, je m'excuse! Mais oui. Non, mais écoute, c'était vraiment très bon à cause de tout ça. Parce que t'as pas mis de barrière, pas une seule. Même pas une petite. Non, je me suis laissé aller. Non, t'as dit vraiment n'importe quoi. Merci, Gaston. Bravo. Es-tu intéressé à jouer dans un de mes films, Gaston? Qui c'est qu'on va tuer? Je te laisse le deviner. Je laisse faire vos plans pendant la pause, OK? Une courte pause. Jean-François, c'était excellent. Merci beaucoup. Plaisir, Éric. Et tu restes pour le défi de groupe, hein? Vous avez le temps d'aller vous bourrer en face dans la cuisine, mais dans quelques instants, il y a d'autres sketchs. Dieu merci. À tout de suite. Comment te sens-tu émotionnellement avant le dévoilement de cette grande voiture? J'ai vraiment hâte de vous la montrer. Je suis certain que je vais être surpris que vous autres. Dieu merci. Le prochain invité promène son spectacle, le troisième round, partout à travers le Québec. Mais ce soir, c'est dans l'arène de Dieu merci qu'il monte. Voici Peter McLeod. Installe-toi là, Peter. Oh! C'est très joli. J'ai l'impression que les femmes apprécient. Ils sont pas difficiles à soir. Oh. Hey. Il y en a qui sont en manque, parce que ça me semble merci. Mais c'est rare qu'on a l'occasion de te voir habillé comme ça, Peter. Et vraiment, ça fait du bien. Non, mais merci beaucoup. Vraiment. On n'a pas assez de mortalité dans la famille. Il faudrait qu'il y en ait plus. Ouais, c'est ça, tu me verrais souvent habillé de même. Peter, le sketch débute aussitôt que tu as franchi la porte. Ouais, je manque de salive un peu. T'as pas une chose à dire de bas, quelque chose? Bonne chance, Peter McLeod. C'est parti! Dieu merci, t'es là. Oui, oui. C'est plein. On va faire un hit. Regarde, c'est plein de monde. Wow. Ça marche en fait. Oui, ça fonctionne. Eh bien, ici. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, très chers invités de marque, je vous présente l'inventeur, hein? L'inventeur et le grand designer de renom, M. Bernard Rouleau. Bernard Rouleau. Et là, ton dernier bébé, justement, t'as voulu designer une nouvelle voiture, mais pas n'importe laquelle. Non. Une voiture au look futuriste avec des caractéristiques très spéciales. Comment te sens-tu émotionnellement avant le dévoilement de cette grande voiture? J'ai vraiment hâte de vous la montrer. Je suis certain que je vais être surpris que vous autres. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la voiture de l'avenir, la voiture de l'avenir, et j'ai nommé la Problematix! D'ailleurs, c'est la première fois que tu la vois monter dans son ensemble. Eh bien, justement, tu peux y monter à bord si tu le veux. Ben oui, j'arrive. Tu seras le premier à y monter, évidemment. Rebecca, si tu veux venir, gêne-toi pas. Tes premiers mots à la vue de ta création, tes premiers mots sont quoi? Asti, quoi, ben. Alors, allons-y d'une question peut-être qui est tout simple. Pourquoi l'avoir appelé la problématique, si tu peux venir t'asseoir ici? La problématique, c'est si tu te promènes avec une journée, je te dirais que tu vas avoir la réponse. OK. D'accord. Sous le capot, il y a des moteurs hybrides, mais ça, c'est un moteur triple hybride qui fonctionne à l'électricité, à l'essence et... Un peu de blé d'Inde.
Bon, et puis, il y a plein de choses à l'intérieur de cette automobile, évidemment. Ça sert à quoi, ici, là, quand on pèse sur ces boutons rouges? C'est pour faire allumer les lumières d'en bas. Parfait. Est-ce qu'on peut vérifier, voir ce que ça peut donner? T'es... Oui, on est là pour voir un peu comment ça fonctionne, tu veux faire ça, toi, de même agent? Je l'essaie. OK. Oh! Ah! Ça, c'est... Et ça sert à quoi, exactement? Fais du bledin en poudre. Hein? Et il y en a trois autres, mais on les essaie ou on ne les essaie pas? Ben, t'as qu'à y être, mais non, rendu là. Allons-y. Je suis stressé un peu, je t'avoue. Moi aussi. On y va, attention. Absolument, allons-y. C'est que... C'était encore pour le bledin en poudre ou... Ben, le piton 1 et 3, je te dirais qu'ils sont pas mal pareils. Oui. Ouais. Alors, allons-y pour les questions des journalistes. Je t'invite à revenir oui, sur la passerelle oui, ici. Oui, c'est je sûr. Peux, je peux t'aider. Attention. Voilà. Ah. C'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun. Alors, nos journalistes qui sont ici ont hâte de te poser des questions. Journaliste automobile, allez-y, monsieur, dame. Bonsoir. Bonsoir. Apparemment, votre voiture peut contenir 7 passagers. Où est-ce qu'ils peuvent s'asseoir? Non, ça soit pas nécessairement. Tu l'as vu, tu as bien lu la question. Il peut y avoir 7 passagers. Mais on conseille pas ça. L'absence de portière m'intrigue. En quoi est-ce pratique? Pour sauter en bas. Que... Et vous aviez annoncé une voiture familiale. Oui, oui. Mais il semble pas y avoir de ceinture de sécurité ni de coussin gonflable. Alors, comment les enfants se protègent-ils en cas de collision? Le casque. Bravo, Peter MacLeod! Merci. T'es vraiment un très bon vendeur de voitures. On voit que tu t'y connais. Merci, c'est fin. Je sais pas si c'est un compliment, ça. Oui. Quelqu'un qui s'y connaît en impro, c'est Gaston Lepage. Oui, Gaston. On va aller écouter ce qu'il a pensé de ta performance. Ah, Peter, c'est très brillant ce que t'as fait. C'est vraiment très brillant. Et à part ça, ça te va bien gris. Ah oui. C'est incroyable. Non, c'est extraordinaire d'avoir à se dépatouiller de tous ces tours-là qu'on te joue, mais tu prenais de plus en plus d'assurance à mesure que ça progressait, ce truc-là. En tout cas, j'ai adoré ça. C'était vraiment très drôle. Bravo. Ben, très merci rapide, à vous. Comme toujours. Merci au public. Hein? Merci. Bravo, Peter. Excellent job. Et on en veut toujours plus, à Dieu merci. Il y en aura d'autres après la pause. Dieu merci, je suis pas sûre que je vais être ici. Non! Dieu merci. Dieu merci. Notre prochaine invitée, on sait qu'elle est bien bonne pour poser des questions. Voyons voir si elle est aussi bonne pour y répondre. Madame Jocelyne Cazin! Ah, mon Dieu! En tout cas... Beau pétant. Jocelyne, c'est quelque chose! Regarde pas plus bas, tu vas être déçue. Bon, Jocelyne, tu pensais jamais qu'on était pour retrouver tes vêtements lorsque tu étais adolescente? Bien, c'est-à-dire que c'est pas tout à fait mes vêtements, mais ça me rappelle les années 60 beatnik un peu. Oui, à l'époque où tu étais droguée, d'ailleurs... Je sais pas si t'en as déjà parlé. Comment t'en as déjà parlé dans un lundi ou... Je t'aurais engagé à JE, toi. Oui, hein? J'aurais été un bon enquêteur. Un vrai enquêteur. Mais Jocelyne, présentement, tu es dans ce qu'on appelle ta retraite. Toi, t'appelles ça une pause plaisir, mais dans la vraie vie, la retraite, on appelle ça une retraite. J'ai décidé de prendre un recul par rapport à mon métier de journaliste oui. pour être capable de faire du n'importe quoi comme ce soir. Bien, t'as bien fait. Si ça nous mène ici ce soir, moi, je trouve ça extraordinaire. Ben oui, c'est vraiment t'es plaisant. En pleine... Jocelyne, t'es en pleine pause, plaisir dans ta vie. Mais je ne suis pas sur pause. Je suis sur plaisir. Oh! Que c'est bien dit! Jocelyne,
tu peux traverser maintenant la porte de Dieu merci. Bonne chance, on est avec toi, c'est là. Dieu merci, t'es là, j'étais inquiète. T'étais où? J'étais perdue. Perdue? Oui. Dans notre quartier? C'est un plus gros quartier que je pensais. Qu'est-ce que t'as sur la main? Oh. Montre-moi ta main. Je suis ta mère. Je t'ai lavé. Mais c'est une étampe de discothèque, ça? Pourquoi t'as besoin d'une étampe de discothèque pour te perdre dans le quartier? J'ai dû me perdre dans la discothèque et dans le quartier. Ma chouette, je vais te demander de t'asseoir. Il faut qu'on ait une discussion. Tu vas-tu me battre? Je vais pas te battre, voyons donc. Tu m'as déjà battue. On parle plus de ça, hein? Bon, je trouve que tu fréquentes un peu trop les garçons. Puis tu sais, hein, à ton âge, les garçons, ils ont juste une chose en tête. Qu'est-ce que c'est? Ils en ont pas de tête. Exactement. Ouais. Et qu'est-ce qui arrive à une jeune fille qui passe plus de temps dans les bras d'un homme qu'à étudier? Elle fait des bébés. C'est ça. Bon, on parlera pas de ça, là. J'ai reçu ton bulletin. OK. T'as eu un D en mathématiques. Qu'est-ce que ça veut dire, D? D, débrouillarde. Mais non, mais je t'ai payé des cours privés de mathématiques, pas pour que tu sois débrouillarde, pour que tu sois bonne. Qu'est-ce que tu faisais tout ce temps-là avec ton professeur? Des... bébés? Non, c'est une farce, c'est une farce. J'espère que c'est une farce! Ben, regarde. Ton père arrive. Oh. Bon, t'es arrivé, toi. Tu sais, quand tu nous avais demandé de t'acheter un cellulaire, hein, tu nous avais fait une belle promesse. Et pourtant, ma fille, j'ai ici ton compte qui s'élève, j'ai de la misère à le croire, à plus de 3 000 $. Mon Dieu. Regarde, il y a 300 $ de facturé pour des messages textes envoyés à Chloé. Chloé, c'est ta sœur. Elle est dans la chambre à côté. Pourquoi vous vous parlez pas face à face? C'est de même que ça marche aujourd'hui. Ouais. C'est ça, les relations. Ma mère. Hey, la sœur. C'est ton prof d'éduc qui t'a apporté ça pour te remercier pour hier soir. Ah, merci. Mais voyons donc, mais de quel droit ton prof d'éduc t'envoie des fleurs? C'est écrit Chanel, tu maîtrises très bien ta langue. Bravo! Oui. Ben... Qu'est-ce que ça veut dire? On n'arrête pas de dire que les jeunes parlent mal. Ben pour une fois que je maîtrise bien ma langue. Ah! Oh! Attention. Qu'est-ce que c'est? Mon Dieu, alors! C'est plus bon entre les gens! Qu'est-ce que tu fais là, toi? Mais c'est... Ben ouais, ben là, désolé, c'est ma belle. C'est qui l'homme entre tes jambes? Ben... J'en pouvais plus, fallait que je sorte. T'as allergique en poussière, Chanel. Pourquoi vous faites pas le ménage, vous autres, parents? Allez. Qu'est-ce que... C'est qui? C'est le livreur de pizza. Ouais. Mais qu'est-ce que le livreur... Excusez. Avez-vous 22 piastres et 40? Mesdames et messieurs, Jocelyne Cazin! Bravo! Je ne l'attendais pas. Je pense que t'as quand même fait le saut un peu quand le livreur de pizza est sorti. Jocelyne, on va aller voir notre boss ici, Gaston. Voir, Gaston, qu'est-ce que t'as à dire sur la performance de Jocelyne? Ben, c'est vraiment l'adolescente la plus douce que j'ai vue à date, là, à notre époque. Là. Elle était très douce. Elle allait tout en demi-teinte, en demi-ton aussi. En fait, ce qui manquait un petit peu dans ton sketch, c'était le tonus. Mais pour le reste, le personnage, tout ça, ça allait. Il n'y avait pas de problème. En fait, j'ai fait un rôle de composition, l'antithèse de Jocelyne Cazin. Oui. La ouais. douce. La douce. Douce. C'est ça. C'est ça. La blonde était trop douce. Mais bravo, Jocelyne. Et bravo pour ton courage aussi. Très courageuse de venir jouer à Dieu merci. En plus, là... On te demande pas une présence dans un sketch, mais deux, parce qu'il y aura le défi de groupe un petit peu plus tard. Ça va être quelque chose. Oh, ça s'en vient. On Attends, bouge pas. Je vais péter à gueule ensemble, mon Gaston. Bon. À tout de suite. Lui, en hôtel.
que ça est, elle était bien trimée. Un pas de problème, M. Pickington. Madame Templeton est arrivée. Merci. Si vous allez sur Internet, passez voir notre site de Dieu merci sur tva.canoë.ca. Il y a tellement d'affaires là-dessus. Des vidéos, des photos de nos sketchs, les biographies de nos comédiens maison, ma biographie, si vous voulez en savoir plus sur moi. Et plein de surprises, des jeux, toutes sortes d'affaires. D'ailleurs, vous pouvez en profiter aussi pour voter pour votre sketch préféré. Voici le moment que vous attendiez tous avec impatience. Non, je ne chanterai pas, monsieur. Ne vous en faites pas, c'est pas ça. Voici notre défi de groupe. On accueille tout de suite nos quatre invités de la soirée. Mario Dumont, Peter McLeod, Jocelyne Cazin et Jean-François Barry. Jean-François, on ne comprend pas, toi. Moi, je pense que je me suis trompé d'émission. Je fais pas avec la famille. Non, hein? Toi, t'es comme dans les arpents verts, puis eux autres sont dans la dynastie. Mais Peter, ça y fait bien. Hein? Moi, je sais pas, tout le monde trouve mes looks. À un moment donné, je pense que c'est peut-être ma face à moi qui me fait pas bien mes looks. C'est un message, je pense, Peter, que les gens essaient de te passer, mais c'est vrai que ça te va très, très bien. Merci. Et Mario aussi, t'as l'air tout droit sorti du Titanic. C'est ça. C'est exactement ce qu'on se disait. C'est ça, hein? Finalement, il n'a pas coulé. Ben, il semble que non. Mario, il coule jamais. Non. Ben, et Jocelyne, toi, comment c'est de porter... parce que j'imagine que tu portes présentement un corset... J'ai trois corsets! Pour vrai? Ça te fait une voix un petit peu plus aiguë! Mais par contre, ça te remonte le Canadien, c'est extraordinaire. Le Canadien est dans le haut du classement cette année. Oui! Vous êtes prêts à jouer ensemble? Oui! Attention! Moi, j'ai très hâte de vous voir aller les quatre dans le prochain sketch, le défi de groupe. C'est parti, ça se passe juste là. Bonne chance! Les dames d'abord. C'est... Que se passe-t-il? Gontran! Gontran! Il dort encore, celui-là! C'est sûr qu'il dort aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il se passe? Attention, ça s'ouvre. Oh là! Dieu merci, vous êtes là! Hey boy! Je suis l'inspecteur Arthur Bennett de Scotland Yard. Et comme vous le savez, Lord Paddington, ici présent, a été assassiné cette nuit même. C'est pour ça qu'il réagissait pas, là. Ah. Monsieur Hudson, c'est vous qui avez découvert le corps de Lord Paddington. Ouais. Pourtant, vous savez que le maître préfère rester toujours seul dans sa bibliothèque. Que faisiez-vous ici? Justement, je suis allé voir. Je trouvais ça un peu bizarre et je le sentais froid ces derniers jours. Lady Pendleton, vous sembliez troublée par la mort de votre mari. J'aime voir cette émotion chez une femme. Ah, j'ai toujours été triste, même lorsqu'il vivait. John, vous êtes jardinier de Lord et Lady Pendleton, je crois. Certainement, oui. Jardinier. John? De M. et Mme Pacman. Si je ne m'abuse, cela fait 5 ans que vous êtes jardinier à ce manoir. Oui. Oui, c'est exact. Oui, pour les M. et Mme Pokémon. Ouais. Comment était votre relation avec Lord Paddleton? C'était très bonne, la relation. Lui, en autant que ça est, était bien trimé. Pas de problème, M. Pickington. Madame Templeton est arrivée. Laissons la haie et le trimage de Madame tranquille, je vous dis. Sir Macpherson, j'aimerais savoir quelle était votre relation avec Lord Paddleton. Strictement une relation d'affaires. De même qu'avec sa charmante épouse et son jardinier. D'après ce que je sais, vous l'avez rencontré lors de fouilles archéologiques en Grèce, durant lesquelles Lord Paddleton a découvert une statuette unique qu'il exhibait fièrement sur son bureau. Mais elle n'est plus là. Où est-elle, Sir Macpherson? Je n'en ai pas la moindre idée. Que diriez-vous si je vous affirmais l'avoir retrouvée dans votre chambre, Sir Macpherson? Qu'est-ce que tu dis à ça? Elle pète sec! Je vous dirais que... Madame l'y a sans doute oublié. Dans votre chambre.
Qu'ai-je oublié dans sa chambre? Eh bien, cette statuette. Cette précieuse statuette. Que faisait-elle là? Sous votre oreiller. Madame l'ayant oubliée sur place, et moi ayant des problèmes d'insomnie, cette statuette est vide. Uh-huh. Et je pouvais y mettre de petites quantités d'opium qui s'évaporaient progressivement. Ah, c'est ça. Me facilitant le sommeil. C'est ça. Monsieur Hudson. En tout cas, s'il n'a pas tué, il vend d'ado, au moins ramassé. Merci pour ce sage conseil. Monsieur Hudson, comment avez-vous découvert que John Ferguson, ici présent, était l'amant de Lord Pendleton? Ah ben, calmasse! T'as découvert ça! Je pense que je suis le seul qui n'a pas couché avec Monsieur Pendleton. Ouais, puis moi, le seul avec qui j'ai pas couché, c'est toi. Je crois que ce serait le moment idéal pour que le criminel avoue son crime. Qu'est-ce qu'on fait? Les faits sont contre lui. Qu'il... Je voulais cette statuette. Ah! Ah! Alors, ce qu'on se demande à ce moment-ci de la soirée, c'est qui repartira avec le trophée Dieu merci. Nous saurons ça dans 30 secondes. Je ne sais pas si ça se rend jusqu'à vous à la maison, mais présentement, dans le studio F, la tension est palpable. Je les sens très nerveux. Je les vibre. Ils ont hâte de savoir s'ils gagnent le trophée Dieu merci. Tu nous vibres? Wow. Oui, Jean-François. Mais celui qui aura le dernier mot ce soir, c'est pas moi, c'est pas vous. C'est Gaston, notre juge. Gaston, qui gagne le trophée, Dieu merci? Vous méritez tous un trophée. D'abord, ceux pour qui c'est la première fois qui se jettent dans cette fosse au lion, n'est-ce pas? Je sais que c'est difficile, donc je vous donne quand même une mention spéciale aujourd'hui. Et le trophée ira à... Jean-François Barry. Oui. Jean-François Barry! Bravo! C'est tellement la première fois! Jean-François, bravo! Jean-François, premier trophée à vie! C'est tellement mon premier trophée à vie! Ça n'a pas de bon sens que ce soit ça, mais j'ai quand même gagné quelque chose! Laisse-le pas traîner, hein? Non! Mais il le mérite amplement. Absolument! Mais merci, c'est super gentil. Merci, Gaston. Merci beaucoup. Très mérité, Jean-François. Merci beaucoup. Merci, Mario Dumont. Félicitations, merci. Peter, Jocelyne. Merci. On a passé une très belle soirée avec vous. Et on se donne rendez-vous, hein? Est-ce qu'on lance pour la mariée? Oh oui, lance, Jocelyne, lance, voilà! Merci d'avoir été là à la maison. Et Dieu merci, on est de retour la semaine prochaine. Bye-bye.